Bien salut à tous la team Zen, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi. Aujourd'hui, dans cette vidéo défi, on va parler de Clombo et Clombet. Alors, il faudra jeter une Clombet en étant à moins de 10 mètres d'un Clombo. Je vais vous mettre un petit clip que j'ai fait hier pour vous montrer une technique où trouver les Clombets et les Clombos facilement. Et vous allez voir que dans le clip, je suis à genre 30 mètres, 20 mètres et tout. Mais du coup, vu que les Clombos sont amicaux, quand vous leur jetez les Clombets, vous pouvez vous approcher. Même en dessous si vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti, je vous montre l'emplacement, l'astuce. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le code créateur Telmo-Lopez et surtout le petit like des familles. On y va les gars, on y va pour cet emplacement, c'est parti. Au niveau de ce petit point bleu qui est justement un nouveau building qui ressemble d'ailleurs à des trucs Star Wars. Assez marrant. Vous allez devoir venir là. Une fois que vous arrivez là, normalement vous allez avoir le PNJ native qui se trouve justement par là. Vous allez descendre, regardez, vous voyez déjà les trois petits points. Sur le côté gauche, regardez, il y a un Clombo. Toujours, il spawn là, allez, une game sur deux ou sur trois, il est là. Vous achetez les Clombets, comme ceci. Bangs, 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 ça coûte que dalle, hein. Ça coûte 25, lingots. Et vous en avez 4 directement. C'est pour ça que j'en ai déjà 4, 2 ici. Regardez, des étapes d'avant, puisque du coup, je l'ai fait une fois, ça, pour vous le montrer. Donc, j'étais à 4 sur 5. Et là, je vais m'avancer à côté du Clombo. Je vais lui balancer ça. Il y a une petite musique épique qui commence. Je vais lui balancer ça, et quand je lui balance, ça validera donc le cinquième, regardez. Regardez, il va l'aspirer directement. Il va être très content, il va en manger un autre, etc, etc. Jusqu'à ce que vous en ayez vraiment beaucoup donné, c'est-à-dire les 95 à la base. Et en retour, les gars, en retour, il vous donne, écoutez bien, des armes. C'est ça qui est très intéressant. Donc il vous donne des armes, il les recrache parce qu'il est content. Donc ça, ça fait plaisir. Regarde, hop. Et ça pour le coup, regardez, cette arme là, elle fait très plaisir. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à vous expliquer par rapport à l'emplacement des Clombets et valider votre défi Clombo.